Place au sport du cyclisme. La 14e édition de la Tropicale Amissa Bongo va enregistrer une étape en Guinée équatoriale. C'est pourquoi une délégation gabonaise va se rendre à Malabo pour finaliser les détails de l'étape Bitam Mongomo qui va constituer la 5e distance. On écoute Mathurin Bindoun, le directeur des sports de haut niveau, au micro de Dev Moubeli. La mission de la Guinée équatoriale va consister à finaliser avec les autorités de ce pays-là les démarches consistant à l'accueil de la 5e étape de la Tropicale de cette année, étape qui aura lieu de Bitam à Mongomo le 25 janvier 2019. Nous verrons concrètement, parce que là-bas ils ont mis en place un comité interministériel. Donc nous allons voir, moi et les experts de la Tropicale et l'administrateur général du fonds, comment concrètement vont se dérouler les différentes organisations liées à l'arrivée, l'installation des tribunes, les questions de logistique, etc. et toutes les formalités administratives liées à la traversée, n'est-ce pas, de la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale, dont on sait qu'elle est souvent en proie de difficultés. Et vous savez que pour une étape comme celle-là, il n'est pas question que les cyclistes s'arrêtent à la frontière. Et ils vont partir de Bitam de façon continue jusqu'à arriver à Mongomo sans qu'il y ait une quelconque difficulté ou bien une quelconque obstruction. Donc voilà, c'est cet ensemble de choses-là que nous irons voir avec les autorités de ce pays-là.